Yo tout le monde, c'est Tiop, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Corinthe. Alors, on s'était laissé, on venait de prendre ta sauce. Ouais, c'est ça, on venait de prendre ta sauce en la jouant manuellement. Et on a toujours Sparte qui n'est pas très très. N'est pas très très content avec à l'idée de continuer cette guerre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, voilà. Rod, je leur propose un statut de client, mais ils ne veulent pas. C'est bizarre quand même. Non, ils sont dans l'alliance militaire avec Athènes, ça sert à rien, ils vont me déclarer la guerre de suite. Festival d'Héraclès, c'est bien ça. Du bonheur public, de l'ordre public, pardon. Hop! On va faire tomber ou pas. Ah oui, mais ils perdent de la nourriture, parfait. Ah bon, on va aller sur Maronnet. Écoutez, moi, je vois qu'il y a, y a rien, il n'y a personne qui défend, et ben, on va aller sur Maronnet. Et attention à quand même du monde ici, ça va. Et on avait dit. Hop là, les vengeances de l'Atlantide, on s'en occupe. Une bonne fois pour toutes, voilà. Une floque, oui, une floque, mon gars. Et une flotte grecque en moins. Voilà, là, ça va nous mettre combien? 1, 2, 3, 4 tours, 4 à 5 tours. Ça va être long, mais bon. Et je vais emmener cette armée à Toronée. Voilà, je vais les aider à prendre Myrina. Je vais aider ma flotte à prendre Myrina. Que se passe-t-il ici? On a un Basileus. Ouais. Je vais pas pouvoir la faire tomber, celle-là, je pense. Appareil. Ionienne. J'ai pas recruté. Ouais, voilà, c'est en train de se recruter ici. Il n'y a plus que Sparte qui. Oh, qui subit un siège par Épire. Oh, ça c'est beau ça. Argos, bah. Ah zut, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, de tours que prévu. Allez, je vais faire une embuscade et je vais prendre l'Orion. Peut-être pas ce tour-là, non pas ce tour-là. Le tour prochain, je prendrai l'Orion. Là j'ai oublié, ouais. Allez, on va faire de la construction. Simple. J'ai déjà le fabricant de boucliers, je vais attendre d'avoir la technologie pour les stats d'attaque et pas les stats de défense. Ah ouais? Il est comme ça lui. Bah écoute, retraite. Je comprends pas trop ce. Oh, saloperie de noble. Allez, meurs, 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 meurs. Allez, merde. Bah écoute. Ça va le nombre de le nombre d'agents là? Putain, j'ai une armée, je vais me retrouver avec rien. Encore? Putain, oh non, ils prennent tous les tours. Hein. Ah non, c'est je viens de les je viens de les faire tomber, j'ai oublié. Bon bah, je mène la bataille sur le champ, on se retrouve de suite. Hein. Je sais pas si je vais la gagner là par contre, parce que j'ai pas les armées complètes. On va voir. Et là, c'est une bataille impossible à gagner. Bon, des réactions un peu bizarres quand même de la part de mes unités qui fuient alors qu'elles attaquent l'ennemi par derrière. Bref. Du coup, ça menait à une défaite. C'est comme ça. Ah, ça c'est chiant. On va les tenir occupés ou on les tient pas occupés du tout? On va les tenir occupés. Ah mince. Ça va être une bataille de sur le pont. Ah j'aime pas ça. J'ai pas faim.
fan. Je suis pas fan. Bon, ils ont repris ça, écoutez. Pas très très grave. Voilà, je prends cette flotte. Je vais aller reprendre. Bon, c'est simple, hein. Voilà. Ah, ici, c'est pas encore tombé. Ah, bonne nouvelle. Donc, résolution automatique. Mode équilibré. Et on occupe. Voilà. Ah oui, en plus on gagne de bonnes ressources. Allez. Et puis l'autre, l'armée rebelle, elle est où? Elle est violente, hein. Putain, expert en siège, les pauvres, ils sont en pleine mer. C'est pas le plus efficace, hein. J'ai déjà fait mieux, hein. Allez, Athènes, dépêche-toi. On voit que ça bouge, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est très petit sur l'écran, là-bas, tout là-bas au bas. On voit les agents bouger, qui prennent leur temps. Sont en mode pom, 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 pom. Ah bah oui, bien évidemment. Bien sûr, mode agressif. Hop là. Ton petit trou dans la peau. On relâche pour l'argent. Traité de paix. Bah non, parce qu'il est toujours en alliance avec Athènes. Même principe. Ah, on va sponsoriser un athlète, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, ouais, on va voir technologie, voilà, plus de richesse. Là, je fais vraiment les technologies pour avoir plus de revenus. Voilà, là, je sais même pas si je peux bouger tellement il y a d'agents autour. Voilà, on prend marronné, donc en plus, on prend du bois. C'est parfait. Et on coupe les renforts qui pourraient venir à Athènes. C'est pas magnifique tout ça? Franchement. Ah, c'est l'automne. Ah, attention. L'automne, c'est. Ça veut dire que l'hiver est. L'hiver vient. Ça. Non, c'est pas ouf. Ah oui, c'est pas mal ça, tiens. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Pourquoi pas? Ah oui, on allait reprendre un oeil. Temps prochain, apparemment. On apporte pas beaucoup d'argent ici, hein. 140, 184, c'est très peu. Et il me semble, oui, voilà, que cette flotte pouvait enfin venir à Cythère. Il y a quelques tours, hein, de trajet. Bon, j'ai réussi à les attirer. Mais ça va être compliqué. Je pense que c'est une défaite. Je pense très clairement qu'on va partir sur une défaite, mais c'est quoi? Je vais mener la bataille avec vous et puis voilà, on va montrer aussi des défaites de temps en temps, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. Alors ils ont un peu de cavalerie, ok, ils ont pas tant de bonnes unités de hoplites que ça, mais bah, ils nous dépassent en nombre là. Ils nous dépassent vraiment en nombre. Je vais forcer une position de repli. Je vais planquer ma cavalerie. Voilà, là je vois que ces trois unités sont à peu près en forme. Voilà, je vais les mettre. Je vais bien les aligner ici. J'ai pas le choix, j'ai pas assez d'unités.
Même principe ici. J'aligne. Je vais planquer quelques unités là. Ces unités-là, bon, c'est de la figuration quoi. elles sont beaucoup trop faibles. En même temps, pas de leur faute. Voilà. On va rester planqué avec la cavalerie. On va attendre que leur cavalerie se plante sur mes formations d'hoplites. Hein, voilà. Et encore elles sont bien constituées leur formation. Ah merde, tu vois que ça fait le tour purée. Ah mais ouais, mais non les gars, vous êtes là et pour aller là vous faites tout le tour par là. Ben non, comment perdre la cavalerie gratuitement? Oh là là, c'est pas vrai. Ah, faut vraiment être con pour être con, hein. Ah voilà. Quand on est con, hein. C'est fou ça. C'est pas vrai ça. Bon voilà. Je suis obligé de. Non, faut pas courir justement contre des unités de. Voilà, elle se retrouve bloquée. Non, elle continue quand même au cas où. Bon, c'est à mon avantage. Mais putain, c'est quoi cette cavalerie qui est totalement débile? Ah, par contre, ils ont des. Ouais, ils ont des munitions. C'est pas bon. Je vais devoir foncer dessus. À moins que eux là, allez utiliser un petit peu de votre. De vos munitions, voilà. Ça va pas être facile celle-là. Non, regarde-moi ça! Qu'est-ce que. Mais. Arrêtez de faire 20 milliards de fois le tour de je sais pas quoi là, ça sert à rien. Voilà, allez hop. Quelques unités de cavalerie là, ennemies en moins. On va bien évidemment les poursuivre, on n'en veut pas. Je sais pas pourquoi ils ont une unité de renfort là-bas. C'est comme ça. Arrêtez de faire feu, vous. Vous tuez les uns les autres. Je me rapproche de son unité là de cavalerie légère, là, elle me fait de la perte à distance. Mais allez! T'es quoi? T'as un caillou, il t'a fait peur, c'est ça? C'est pas vrai. Même principe, je vais être obligé de les planquer parce qu'ils se prennent des tirs à volonté. J'ai pas une autre unité de cavalerie qui va encore partir. Je sais pas où, putain. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je suis désespéré par la connerie de mes unités de cavalerie là. Je sais pas ce qu'ils foutent. Honnêtement, je les comprends pas. Voilà, en plus là je me prends du tir à volonté là. Putain, un peu de frondeur. Tu vois ça, vous allez pouvoir charger quand même, vous êtes pas bête à ce point-là. Oh la vache, les unités javelinées là, ça fait mal. Je vais faire un petit retrait là parce que. Ah, putain, il y a de la dame ministre derrière. Ah merde, soldat à la hache avec. Ah là là. Je dois me reculer. Il a bien fait, il a mis ses soldats à la hache là. Juste devant, c'est bon, tranquille, les unités là, stop, 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 au bout d'un moment. Peut-être arrêter de tirer. Purée, ça va pas être facile, moi je vous le dis, les gars. Les Peltas, ils sont encore à corps, ça c'est bien. Allez, je peux sortir toutes ces unités là, là. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va aller chercher, on va aller bloquer avec les cavaleries derrière. On va essayer de servir à quelque chose au moins. Voilà, elle est au corps à corps là déjà. Toutes ces unités sont encore à corps, ouais, mais. On compte ça quoi.
J'en laisse une là, là-bas, au cas où. On approche très vite la cavalerie. Voilà, moins ils se prennent de... Moins ils se prennent de tirs, mieux ils se porteront, mes hoplites. Voilà, j'ai l'impression qu'il manque encore une unité de cavalerie, je sais pas pourquoi. Mais... Alors toi, tu vas bien là, voilà, par l'arrière. Toi, tu contentes, je veux pas savoir. Vous allez aider la cavalerie derrière ou alors vous allez attaquer par l'arrière. Je veux pas savoir un des deux, mais... Merde. Oh la vache. Regardez la cavalerie là que j'ai perdue. Seulement... Allez, grouille. Tu crois que t'as le temps de marcher là? Ils perdent l'aggro quoi, oh là là. Pourquoi ils arrêtent de courir? Je comprends pas. Bon bah alors toi mon gars. Toi les frondeurs qui veulent venir au corps à corps, bah pas de problème. Voilà, ici ça tient là-bas. Ça tient. À peu près. Ah merde, putain. Comment ils ont réussi à me contourner ici? Grouillez-vous là. Je vais pas savoir vous foncer dans le tas. Voilà, je suis au corps à corps là, c'est bien. Non, ils lâchent pas les frondeurs là. Ici, ils sont ratatinés là. Normalement, ils devraient tomber rapide quoi, mais. Aucune perte. Ils ont aucune perte. Ça fait genre. 30 secondes, ils sont en 69 les gars. Ils sont totalement entourés, je comprends pas. Enfin. Voilà, on attaque par l'arrière. Enfin. Non, on attaque pas par l'arrière, on les regarde. Mince. Ah ouais. Voilà, c'est bon. Ici, c'est la débandade. Allez, poursuivez-moi tout ça là. Je veux pas savoir, les frondeurs là, vous les exterminez une fois pour toutes. Pareil pour les javeliniers là, allez, chut. Plus vite que ça. Allez, on court. Je vois que j'ai des unités là qui ne servent à rien. Je vais les faire poursuivre, là, je sais pas si ça va passer ou pas. Putain, là j'ai plus ma cavalerie quoi, fait chier. Ouais, tout cela, je vais les faire aller par derrière. J'ai pas le choix. Ils ont reconstitué, et merde. Là, ils les envoient tous là-dessus, là, j'ai pas le choix. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bon ça. Ouais, il faut les bousculer un peu là. Ouais, je me fais arrêter par ces unités de... Putain, par ces unités à distance quoi. Là, je vais envoyer les renforts. Là, je voyais que eux là, ils tenaient pas très bien. Ils tiennent même pas bien du tout là. Eux ils sont sous. Ils se prennent des tirs de projectiles alors pourtant ils sont dans le tas. Les snipers, eux là ils vont pas pouvoir les aider quoi. Ça sert à rien qu'il reste là. Lui. Je sais pas, lui il a cru qu'il pouvait taper au corps à corps à partir de là. Je sais pas. Allez, on se dépêche là. Je veux que vous me les exterminiez là, tous ces pelstasts là, les trucs là, les unités à distance qui sont pourries comme il n'y a pas là. Allez, exterminez-moi tout ça là. Ils sont totalement entourés, il y a de l'attaque par devant, par derrière là et...
Voilà, c'est pas bon. Ah. Voilà, c'est moi qui vais me prendre le. Je suis obligé de les laisser là. Allez, le général, c'est le moment là. C'est le moment que tu donnes du moral à tout le monde. Parce que là. Pff. Allez, on resserre un coup là. Ça a des bandades dans les deux camps. Sauf que vu que je suis moins nombreux, ouais, voilà, ça va partir pour moi, je pense. Oh, c'est n'importe quoi. Oh, oh. Non. Ça va pas le faire. Ah merde. Oh putain, alors là, ça craint. Je pensais pas qu'il foutrait au corps à corps ces unités à distance là. Hoplite, ça des hoplites? Non, des peltasts, oui, voilà. J'aurais fait des bonnes pertes, mais ça aura pas suffi. Ouais. Elle était bien menée comme bataille, mais. Beaucoup trop de différence de niveau quantité unité. Et ma cavalerie qui s'est amusée à faire de la merde. Concrètement, je sais pas ce qu'il a foutu la cavalerie, mais en mode tiens, faut que j'aille 10 mètres devant, je vais partir par derrière, je vais faire le tour du monde, faut arriver. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, au moins, ça les aura attirés ici, je vais pouvoir prendre leur cité. Oh oui. Moyennant le temps de déplacement de ces agents qui vont mettre 20 ans à faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Soit pour deux agents, à peu près 30 secondes de temps. Ah putain. Je viens de voir ce que je viens de voir là. Ah, ils ont réussi à rentrer à machin là. Ils avaient tant de déplacements que ça? Ah non, d'accord, c'est son armée de soutien de merde. Eh ben voilà. C'était un sacrifice apparemment nécessaire. Voilà. Et heureusement, il a eu pas mal de pertes. Il est temps de revoler de la nourriture là. Hop. En plus, ils ont monté d'un niveau, c'est parfait. Et ouf, cavalerie épéiste, ça j'avais oublié ça. Le V de la cavalerie épéiste, là je peux vous dire les gars, ça va chier. La différence entre une armée avec de la bonne cavalerie et de la cavalerie pourrie. Ah, ça change tout. Hop, oh, je suis vraiment en train de perdre toute mon armée là. Bah, je m'en fous qu'elle peut pas se reconstituer. Si c'est que ça, pas un problème. Et on reprend. Avec de la paire, je suppose, ouais. D'ailleurs, là. Je vais les faire débarquer, là. Et il va falloir relancer un petit recrutement. Non, pas de ça. Voilà. Ici, je sais si je peux recruter des hippies. Ok, je m'en souviendrai. Bon, allez, c'est ici que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous ai montré bah, une belle défaite. Bon, bah. C'est toujours moche de perdre, mais là, on s'est quand même bien défendu. On lui a fait subir de lourdes pertes. Et son armée est excellente. Allez, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Thiom. Ciao!